Salut tout le monde, c'est Evan, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement pas originale avec les gens qui rigolent déjà. C'est une vidéo pour essayer de ne pas rire. Alors bien entendu, c'est un concept un peu plus original que le essayer de ne pas rire de base. C'est le joke de papa. Du coup, c'est pas original vu que tout le monde le fait en ce moment. Et bien entendu, je suis avec Lilian. Bonjour Lilian. Ton intro était pourri. Ton intro était génial. Non. Excellent. T'as déjà un rire. Non. Non, on n'a pas commencé à l'écouter quand même. Donc en gros, le concept pour les quelques petits déportés qui ne connaîtraient pas le concept, en fait, c'est de se dire des blagues nulles et d'essayer de se faire rire. Et le principe, c'est de ne pas rigoler aux blagues. Vous comprenez un petit peu le style? Merci bien. C'est parti pour le joke de papa de Tubéo. Ou autrement dit, le plus gros plagiat de la planète Terre. Bah déjà que t'es pas mal niveau plagiat. On se lance. Ouais. Moi, c'est pas que j'en ai rien à foutre hein, que si je suis sur mon téléphone, mais c'est juste que j'ai mes blagues sur le téléphone. Voilà. Alors que moi, je les ai imprimées. On est sur une imprimerie de blagues. Ouais, excellent. Alors, qui commence? On fait un pierre, feuille, papier, ciseaux pour faire qui commence. D'accord. Un, deux. Attends. On fait un pierre, feuille, papier, ciseaux, ok? Ouais, c'est quoi, je connais. Allez, chien. J'ai vu ma plaie, Carito, laisse tomber. Je suis sûr que tu vas faire ce ciseau. Shifumi. Et bim. Ah non! T'as perdu, je commence. D'accord, alors, petite règle, on n'a pas le droit de regarder de blagues pendant que l'autre nous en dit une. Parce que sinon, on peut se faire. Bah non, bah moi je peux être comme ça, moi je peux regarder un porno allemand. Une intro de porno allemand, c'est mieux. Ah, tu connais pas la référence à The Cut? Ok, bon. Si. Allez. Si, mais c'est pas drôle. Ah. De ta bouche. Ça commence bien, dis donc. Alors. Allez. Pourquoi tu me fixes? J'ai le hockey. Et alors? Bah, j'essaie de me faire peur. Pourquoi tu deviens rouge, Lignon? Je sais pas. D'un coup, j'ai envie d'être rouge, tu vois. C'est comme les Teletubbies, j'aime bien peau dans ton Teletubbies, du coup, c'est pour ça. Ouh, c'est bon. C'est l'histoire d'un bœuf qui court, et qui se viande. Pas très drôle. Si tu commences à rire à tes propres blagues, je ris pas, là. On compte ça comme un rire ou pas? Non. Les abonnés jugeront. Ah, les abonnés. Non, ça c'est pas un rire. Un rire c'est quand tu lâches quoi. D'accord. Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète. L'homme tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race du chien? Un pékinois. Ça compte pas. Allez, là il y a le rire. Un pékinois. C'est extrêmement drôle, putain. Waouh. Ouais, on est sur un bail. L'humour. Ouais. Pas mal. Donc un point. Chez. Comment on appelle passe-partout à la poste? Un poster. Mais nique ta mère. C'est ça. Mais oui. Mais ouais, mais c'est bon, si tu connais mes réponses à mes blagues, c'est pas drôle. Je suis petit, vert et je fais peur. Qui suis-je? Tu sais pas. Un petit pot avec une mitraillette. Allez, bon. Putain, je suis nul. Je suis mauvais. Nul. Nullité. Je ne rigolerai plus jamais de ma vie, c'est sûr. Comment on appelle un voleur de Viagra? Une capote? Non, un criminel endurci. Pas très drôle. Mais c'était trop drôle, putain. En plus, moi j'ai ri au moins pendant 5 minutes à cette blague. D'accord. Ouais, mais c'est drôle. Quelle est la différence entre toi et Antoine Daniel? Je sais pas. Vous êtes aussi peu actif, mais lui a le talent et le charisme. Ah merde, t'as niqué mec, t'es trop fort. T'as rigolé? Bah je fais ah oui donc Tain 3-0. Pourquoi Elvis Presley n'arrive pas à chier? Parce qu'il était pressé. Parce qu'il est mort. J'ai trouvé ça drôle, mais ça m'a pas fait rire. C'est quoi la logique dans notre phrase? Quelle différence y a-t-il entre une prostituée et une panthère? Je ne sais pas. Vous avez déjà vu une panthère avec un string en peau de prostituée? Contrôle-toi. Un pékinois. Il y a son menton qui tremble. Wouh. Allez. J'ai le good. Qu'est-ce qu'un buisson au bord de la route? Un chat mort? Non. Pas mal, mais c'est pas ça. Une portugaise qui fait du stop. J'ai envie de péter, Lille. Mais pourquoi tu rigoles? T'as pas rigolé, non, j'ai pas rigolé, j'ai soupiré. C'était vachement drôle. T'as soupiré? Non. Mais si. Pas trop. Qu'est-ce qui est vert et qui dit je suis un lion? Je sais pas. Une grenouille qui ment. Pas mal. Mais pas mal. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Une érection mal contrôlée. Exactement. Alors, waouh, une autre blague. C'est quoi un roux sur un vélo? Un antivol. Un trois roues. Ah non, un antivol c'était pour le jambon sur le scooter. Mais pourquoi tu rigoles pas? Parce que je la connais, que c'était pas drôle. Foiré! Tu connais l'histoire de l'armoire? Non. Elle est commode? Ah non, elle est pas commode du coup. C'est pas drôle.
Enfin, ça, c'était pas drôle, par contre. Vraiment pas. D'accord. Moi, je te le dis, hein, comme ça, tu seras prévenu. Qu'à cela ne tienne, on a quand même 3-0. Ouais, mais ça se trouve, tu as rigolé et tout après, et moi, je regardais plus. Lis ta blague. Amen. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui est rouge? Aucune idée. Un demi-chien. Pas très drôle. Dans la phrase, le voleur a volé une télévision. Où est le sujet? En tôle. Exactement. Je la connaissais. Je m'en doute. Désolé. Je le prends bien. T'as fait un demi-clin d'œil. Ah merde, putain. Et un peu là. Mais mec, qu'est-ce qui s'en fait mieux qu'un avis pour les enfants? Je sais pas. Xenos. C'est inventé par toi? Oui. C'est pour ça que le rire n'est pas présent. Et franchement, t'as presque rigolé. J'ai presque. T'as presque rigolé. Mais le rire n'était pas présent, encore une fois. Voilà. On n'est pas... voilà. Qu'est-ce qui est orange? Une orange? Non. Donald Trump? Non. Ta mère? Non. Je sais pas. La couleur verte? Bah non, elle est verte. C'est ça, essayer de te contrôler en pensant. Mais elle est verte, la couleur verte est verte, la couleur orange. C'est une enfance difficile, Lilian, mais. Ouais, mais il faut pas en parler dans la caméra, tu vois. Dans la caméra? Dans la caméra. D'accord. Ouais. Avec quoi ramassons la papaye? Une faux-fourche? Une faux-fourche. Oui. Qu'est-ce qui est bleu et dans un pré? Moi. Non. Je sais pas. Une vache en survêtement? Pourquoi t'as des fossettes, Lilian? Pourquoi t'avales ta salive? Pas mal, pas mal. J'ai presque ri. Je me suis contrôlé, j'ai pensé à moi, à mon avenir, à ma vie, et j'ai arrêté de rire, parce que ce que je le voulais. C'est long? Ouais. Quelle est la différence entre la chasse d'eau et une femme? Les deux mouillent? Aucune? Non. Les deux nettoient? Non. Aucune idée. Tu n'as pas besoin de dire je t'aime à la chasse d'eau pour l'attirer? Une femme non plus. Mais si. Non. Je vais me faire exploser en commentaire. Les féministes, humour! Il y a un homme qui dit à sa femme, chérie, ce soir tu ne me vois pas. Et la femme répond, pourquoi tu sors? Et l'homme dit, bah non, je t'encule. Je la connaissais. Je m'en doute. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Les accidents de la vie, c'est arrivé à ta mère, il y a à peu près ouais, 15 ouais, ans. D'accord, tu peux fermer ta gueule, ouais. Oui. D'accord. Qu'est-ce que les Arabes ont plus que moi? Ça part sur un racisme, je sais pas. Ouais. Mon vélo. Mon vélo, tu sais, des trucs... Non mais je... Oui. Mais du coup, si c'était un roux qui l'avait volé, ce serait un 3 roues et du coup, ce serait pas les Arabes. T'enfonces. Mais rigole. T'as rigolé là. Si tu comptes ça comme un rire, je prends ta mère et je lui dis ce soir tu ne me verras pas. Ta gueule. Bien entendu. Que dit un hérisson qui se cogne à un cactus? Salut mon frère. Non. Je sais pas. Maman. C'est tout. C'est tout, c'est fini. C'est fini. C'est quoi un canif? Un petit fien. À quoi? Un petit fien. Tu veux que je te le refasse? C'est quoi un canif? Un petit fien. Je connais toujours la réponse. D'accord, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un canif? C'est un truc avec un couteau? Non, c'est un canif. Un canif. Un petit fien. Et c'est quoi un petit fien? C'est un petit fien. Et c'est quoi un petit fien? Tu t'enfonces, c'est long, c'est pas drôle, ça me fera pas rire. C'est sûr? Je suis certain. Que dit un sucre à un café? Pardon? Que dit un sucre à un café? Oui. Je sais pas. Plouf. Plouf. Tu fermes ta gueule. Tu rigoles là, hein? Plouf. Le mec il est... Ça ne marche pas. T'as rigolé, hein. T'as perdu un point, moi non. Je pleure peut-être, mais j'ai pas perdu de point. Putain, c'est drôle! Si je rigole, c'est que c'est vraiment drôle. Hein. Ouais, alors que je suis un vraiment. Si hein. Je pleure, c'est parce que ma mère est morte. Mais dis ta mère. Les improvisations. Putain, on va te faire foutre, allez. Dans quel véhicule on fait le plus de blagues? Dans un autobus. Dans les caravanes. C'est parce que c'est un car à van. Ouais. Faire des vannes. C'est des vannes. Tu sais, du coup, c'est drôle dedans. Evan, est-ce que tu pourras rigoler un jour mes blagues? Ah. Une mouche s'est noyée. Que fait le maître nageur pour la réanimer? Je sais pas. Du mouche à mouche. D'accord. Non, je vais pas rigoler. C'est un soupir, moi, ça. T'es enrhumé, c'est ça? J'ai fait... Ouais, ouais, c'est ça. Tu connais le cri d'un spermatozoïde? Sperme! Non, mais la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Bah non, justement, quand tu croques, tu le tues sur le vif. Mais du coup, il crie. Bah non, si tu le croques, tu le croques une fois, alors que si tu l'avales, il a le temps d'aller dans son estomac, en criant. Il fait, non, ah mais tu l'entends pas. Alors que si tu le croques là, tu l'entends. Pas très drôle. Quelle est la durée de vie d'une moule? Je sais, moulant? Non, je sais pas. 12 ou 13 ans, car après, il y a des poils et on appelle ça une chatte. T'as le regard qui tue? Lilian. Chiquita. Non, cheveux longs comme Lilian. Soupirant. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Un beefsteak? Une pastèque. J'ai mal aux fesses. Je suis jeune et je cours. Qui suis-je? Cassandra. Un citron pressé. C'était nul. Que fait Moïse après avoir ouvert une mer?
Il la remplit d'eau. Il la baise. Ah. J'arrive à me contrôler. Quand je sens le rire arriver, j'arrive à le ravaler. Comme ta maman. Et c'est pas avec des blagues. Devine comment se dit slip en japonais. Je sais pas. Sakakiki. Oh, tu rigoles pas, Lilian. Qu'est-ce qui te censure? Max Keyes. Me sens pas trop bien. Pourquoi, moi, je prends les pourquoi il fait chaud dans un bus? Parce qu'il a l'air climatisé. Parce qu'il y a un chauffeur. Ce qui m'a fait rire, c'est pas ta blague, c'est mon. Et du coup, j'ai ri aussi. Oh flûte. Qu'est-ce qui est rouge? Bah, toi, quand t'as. Je sais pas. Ta grand-mère écrasée sur la route. Ta grand-mère est morte? Non. Ah bah tant mieux, parce que ça aurait été vachement gênant. Ouais, j'avoue. J'ai plus de blagues. T'as plus de blagues? On peut faire appel à un ami? Bah d'accord, on va appeler un ami. Est-ce que je te dérange, Kira? Non, pourquoi? Alors, on est en pleine vidéo, et en fait, j'ai plus de blagues, et donc du coup, j'aimerais que tu me dises une blague, s'il te plaît. Une blague? Une blague. Genre une blague bien ou une blague de merde? Bah une blague pour qu'une personne rigole. Bah je sais pas, moi... J'en ai pas, moi, des blagues. Allez, 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 une. Des blagues nulles, genre... Vas-y, enchaîne. Qu'est-ce que... non. Ouais, qu'est-ce qu'un informaticien qui s'ennuie? On sait pas. Non, que fait un informaticien quand il s'ennuie? Que fait un informaticien quand il s'ennuie? Je sais pas. Il se fichait. Je suis désolée, c'est vraiment pas drôle. Tu peux essayer avec une autre? Non, franchement, j'en ai pas, je suis désolée, là. Sérieusement, t'en as pas une autre? C'est le pire appel à un ami du monde. J'avoue, j'aurais dû appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux dire au revoir aux abonnés? Putain, mais au revoir. Allez, ciao. C'était gênant. Mec, je vais refaire un autre appel à un ami. Je te l'octroie. Maya? Oh, attends, Maya, Jonas, vous êtes là? Là, il y a la caméra qui filme, ok? On est en pleine vidéo et on a besoin de blagues. Alors, ouais. C'est un bleu. Bah déjà, c'est dans une autre vidéo et je la connaissais. Une autre? Au revoir. C'est nul. Ouais. Allo frérot, ça va? Ça va? Ça va, on est en pleine vidéo là, j'ai besoin de toi. En fait, j'ai fait un appel à un ami, et tu, vu que tu es mon ami que j'appelle, bien entendu, j'aimerais que tu fasses des blagues pour faire rire Lilian. Bim! Amène ton cul, il faut des blagues, j'en ai pas, toi t'en as plein. Comment allez-vous? Fort bien, et vous? Ça va. Donc tu veux une blague, c'est ça? Je veux plusieurs blagues. Plein de blagues. Ah, bah alors on va partir sur une blague. La meilleure blague que t'as. Sérieux? Ah, il est parti? D'accord, alors la blague nulle c'est. Alors il y a deux canards, et t'as le premier, il fait quoi? Non, le deuxième. Ah, t'as le deuxième, il fait quoi? C'est quoi? Et le premier, il se retourne, il fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pas la blague qui est drôle, c'est vous. Et bah merci pour cette intervention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, j'ai battu Lilian à plate couture. Hein. Là, on peut le dire, j'ai rigolé 2 à 3 fois tout au long de la vidéo. Et lui, environ, je sais pas moi. Un milliard de fois, sans abuser bien entendu. J'espère qu'elle vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici, et allez vous abonner à la chaîne de Lilian parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Ouais, il y aura une vidéo là, normalement, avant que cette vidéo sorte, il y aura une vidéo. Donc, voilà, allez la voir. Donc, allez tous vous abonner à la chaîne de Lilian, voilà, son cadeau d'anniversaire, s'il vous plaît, faites-lui dépasser les 500 abonnés. Allez hop. Pour mes 12 ans, ce serait cool, franchement. C'est pas drôle? Ah. Ouais, j'étais vraiment pas drôle du début à la fin de la vidéo en fait. Vraiment. Vraiment, c'est pas pareil sur ma chaîne, c'est vachement plus drôle. Voilà, c'était Evan, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, salut. Bye, yes.